Salut les punks! Salut les punkettes! Bienvenue à Brasse ta classe! J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on descend vers le Brésil! Hey! Ha! Je trouve ça le fun, le carnaval. Surtout parce que t'as toujours une collation sous la main. Mais la perle rare du Brésil, ce n'est pas Rio, surprenant, hein? Non, c'est plutôt l'Amazonie. Puis ça, c'est le fun, parce que tu peux t'acheter n'importe quoi là-dessus, puis en plus, c'est livré chez vous. Hein? Ça, c'est Amazon. Ah. La forêt amazonienne, communément appelée le poumon de la planète, abrite l'un des écosystèmes les plus riches de la Terre. Mais des créatures féroces y rôdent. C'est pour cette raison que j'y vais toujours armé. Les tribus qui vivent dans la forêt amazonienne savent très bien que la meilleure attaque, c'est la défense. Pour cette raison, il faut toujours savoir se camoufler. Me voyez-vous? Maintenant, absolument invisible. Pendant le jeu, vous allez vous camoufler avec un manuel en le plaçant devant vous comme ceci. Par la suite, je vous donnerai une multitude de consignes grâce à mon gros walkie-talkie. Blablabla. Pour être certain que l'ennemi n'intercepte nos communications, il sera important d'attendre que je donne un nom de code avant chacune de ces consignes. Le code est le suivant. Rio! R-I-O! Si vous n'entendez pas Rio avant une consigne, c'est qu'elle n'est pas bonne. Compris? Si vous vous trompez, vous devrez enlever votre couverture et la mettre haut, au-dessus de votre tête. En revanche, si vous êtes en mesure d'effectuer deux consignes consécutives, eh bien, vous pouvez remettre votre camouflage. C'est compris? Excellent! À vos camouflages! Rio, c'est parti! Rio, monte sur ta chaise! Rio, lève une jambe! On va plus. Rio, baisse une jambe! Descends de ta chaise! J'ai pas dit Rio! Tous ceux qui se sont trompés, Rio, levez vos livres au-dessus de vos têtes! Rio, descendez de votre chaise! Eh oui, j'ai dit Rio, allez, allez, on descend! Et maintenant, on change de place avec un ami! J'avais pas dit Rio! Maintenant les punks, on se tient en forme! Rio, on fait 10 jumping jacks! Je les fais avec vous autres! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, all right! Maintenant, on fait 4 squats! Aha! J'ai pas dit Rio! Rio, on se cache en dessous du bureau! Rio, on fait 3 push-ups! 1, 2, 3! Rio, c'est terminé! Bon boulot! Bravo les punks! Excellent boulot! Vous pouvez maintenant retourner à vos chaises. J'ai pas dit Rio! Ah ah! Ben non, je blague! Pour vrai, c'est terminé. Bravo, vous avez été excellents les punks! Wouhou! OK! Hey, non, mais c'est énervant la jungle amazonienne. Je trouve ça bien, bien beau, là. Mais ça me stresse. Ah, ça me donne une idée. Oui, tout le monde se prend une feuille et un crayon. Alors, tout le monde se prend une feuille et un crayon. C'est un petit exercice de relaxation qui va vous permettre de vous rendre super zen. D'abord, vous tracez un gros 8 sur votre feuille. Ta-da! Ta-da! Bon, maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est déposer le 8 sur votre pupitre. Vous allez suivre avec le bout de votre index le tracé que vous avez fait en forme de 8. Quand vous montez le 8, vous prenez une grande inspiration. Et quand vous le redescendez, vous expirez, tout simplement. C'est simple, non? Alors, attention, on inspire. Et on expire. Tranquillement, on inspire. Et on expire en redescendant.
C'est important que lorsqu'on inspire, on gonfle tout notre ventre. Attention! Et on expire. Voilà! Vous voyez comment on se sent plus relax, hein? Sans surprise, vous méritez encore votre étampe. Ça va faire un beau souvenir. Oh, wow! Quel beau dessin! On dirait presque un Rio Pelle. Il me reste plus qu'à vous dire obrigado les punks! À bientôt!